de la chasse, il les prévient que la chasse est lancée contre eux, et ils pleurent. Et ils pleurent des larmes si grandes, si grosses, qu'elles forment une rivière, et qui, par miracle, sépare les chasseurs des animaux. Alors, vos camarades ont commencé. Il ne faut pas détruire ce que vous ont commencé à faire. Il faut continuer. Alors, je suis quelques indications pour la pose de la peinture. Vous avez une peinture là-bas, il faudra laver dans l'eau. Ça y est, bien au fond. Ah, c'est des sacs, je pense. Ouais.
Là, comme ça va descendre au fond, ça va être les barrières. Raccrocher ça. Non. Oh, bah, si je le faisais, je le garderais dans ma chambre. Et regardez quand j'ai mis le petit. Après, vous l'avez.
va bien tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font là? De quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Préparer le spectacle. Allez, Ouais. Non, elle est trop.
juste un peu de crayon, de mettre une phrase. Dans la plaque, regardez. Vous voyez, on peut suivre les tailles avec la pointe. Ça va, Adam? Arrête! T'es embêtant, il va! Je suis d'accord avec toi? Non, non, non. Il faut recommencer. Il faut recommencer. C'est une loi. Ah, t'es horrible! On va me faire. T'es pas vu, toi? C'est pas long, hein? Ouais, merci, hein. Ah oui, c'est parfait, oh là là, oui. Mais ça va, écoutez, ça va doucement. Ça va maintenant? Oui. Moi, je vous tourne même. Merci beaucoup. Au risque de recommencer. J'ai vu, toi, comment tu t'appelles? Edouard. Il enseigne actuellement à l'école des Beaux-Arts de Metz. Diverses expositions en France et à l'étranger, Rome, Paris, Naples, Nancy, Musée de Saint-Dié. Claude Coutin a créé de nombreuses réalisations monumentales pour l'État, Nancy, Metz, Colmar. Claude Coutin a aussi eu quelques sculptures éditées par Dôme et acquisitions de l'État, Paris, Metz.
de barbouiller comme ça. Il s'agit de faire que tu mettes de la couleur dans une forme que tu as d'abord foncée et d'abord dessinée. Alors c'est pas de la barbouille, tu comprends? Hein, tu comprends ça? Ensuite, il faut nuancer toutes les trucs. C'est un superbe tableau.